وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de l'MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans une nouvelle émission, dans un nouvel épisode de votre émission Les prières et les exaucés. Dans cette émission, on parle à propos des anecdotes de l'acceptation des doigts des prières des compagnons bénis du Messie promis alayhi salatu wassalam. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau notre missionnaire Mawlana Mujib Ahmad Saheb et notre frère Nurullah Rasoul Saheb. Bienvenue. Donc, dans les épisodes précédents, on a parlé à propos de différents compagnons du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Et pour aujourd'hui, on va commencer avec un de ses compagnons qui s'appelle Shukar Elahi Saheb Ahmadi. Donc, Shukar Elahi Saheb Ahmadi, il était le fils de Hazrat Munshi Nizamuddin Saheb, radiallahu ta'ala anhu. Et lui, il raconte que son père, c'est-à-dire Munshi Nizamuddin Saheb, qu'il a raconté l'incident que lui, il a expériencé. Donc, il dit qu'il était à Qadian quand quelqu'un est venu à Qadian dans sa présence. Donc, cette personne qui était un étranger, qui n'était pas de Qadian, ni des villages aux alentours, il est arrivé à Qadian. Et là, il s'est arrêté devant le bureau de poste et il a commencé à demander où est Mirza Saheb. Donc, Mirza Saheb ici fait référence à Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, qui avait revendiqué être le Messie promis et le Imam Mahdi de l'époque, comme prédit par le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans cet incident, Nizamuddin Saheb raconte que cette personne est venue et il a commencé à demander où est Mirza Saheb. Et cette personne qui était un étranger, il avait de la poussière sur le visage, il avait de la poussière sur les vêtements, et il était comme quelqu'un qui a voyagé pendant longtemps, il est venu de loin, et il a souffert les différentes difficultés du voyage, et il est arrivé à Qadian. Donc, quand il demandait à haute voix où est Mirza Saheb, où est Mirza Saheb, donc il dit que son attention s'est tournée vers lui, et là il lui a dit, il lui a offert, que je vais vous guider vers Mirza Saheb. Je vais vous emmener là où Mirza Saheb il est assis. Donc je suis allé, j'ai offert l'aide. Et cette personne, à ma surprise, il a dit que non, il faut laisser, je vais partir directement chez Mirza Saheb. Alors que quelques moments auparavant, il disait que où est Mirza Saheb. Donc il s'est dirigé, il a pris le chemin vers la mosquée. Et là, Nizamuddin Saheb dit que par curiosité, il voulait suivre cette personne. Alors qu'à cette époque, il n'avait même pas accepté Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Il n'était même pas Ahmadi. Donc, par curiosité, il a suivi cette personne. Parce que ça lui a étonné que comment un étranger est venu demander et en même temps, il se dirige, il dit « laissez que je vais aller ». Exactement. D'une part, il disait « oui, Mirza Saheb » et d'un moment à l'autre, il a dit « ok, je vais partir chez Mirza Saheb moi-même ». Alors que définitivement, il n'était pas quelqu'un de Qadian. Il ne savait même pas où est la mosquée, où est Mirza Saheb, où est Mirza Ghulam Ahmad Saheb. Donc, ils sont partis. Donc, cette personne est partie vers la mosquée et Mirza Mudin Saheb l'a suivi. Il dit qu'il a vu cette personne entrer dans la mosquée. Et là, dans la mosquée, c'était après la salat de Asr. Et Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam s'asseyait au milieu de ses compagnons. Donc, il y avait d'autres compagnons qui s'asseyaient donc après la salat et discutaient et parlaient avec Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam. Donc, cette personne est rentrée, il a vu ce scène et directement il s'est dirigé vers Mirza Saheb, qui était au milieu de ses compagnons. Il était entouré de ses compagnons. Donc, il s'est dirigé vers là-bas. Et il a dit, vous êtes Mirza Saheb. Est-ce que vous avez revendiqué d'être le Messie promis, alayhi salatu wassalam? Et là, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salam, a dit, oui, effectivement,
J'ai fait l'annonce que je suis le Messie promis. Et cette personne a commencé à pleurer à chaudes larmes. Donc, la scène, cet incident était choquant pour tout le monde qui s'asseyait à ce moment et même pour Munshi Nizamuddin Saheb. Il dit qu'à cette époque, je n'avais même pas encore accepté Ahmadiyya. J'étais très surpris de cet incident à propos de cet étranger. Et là, cette personne, en pleurant, il a raconté qu'est-ce qui s'est passé. Il disait que, en fait, la veille, il a fait un rêve. Il a vu quelqu'un dans son rêve et c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était venu dans son rêve. Et il a pointé vers quelqu'un et il disait « Hada Masi, Hada Masi » en arabe qui veut dire « Ceci est le Messie ». Donc cette personne ne connaissait rien à propos du Messie ni à propos de Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, mais il a vu dans un rêve quelqu'un qu'il dit qui était le saint prophète alayhi salam et il pointait du doigt vers quelqu'un qu'il a appelé le Messie dans son rêve. Donc c'est comme cela qu'il a quitté la maison après le rêve. Il s'est dirigé vers Qadian et arrivant à Qadian, il s'est dirigé vers la mosquée. En entrant dans la mosquée, il a vu cette personne qui s'asseyait au milieu de ses compagnons et il l'a demandé « Est-ce que vous avez fait la revendication d'être le Messie ?» Le moment où le Messie promis à cette salam a confirmé, il a dit que « Je veux entrer dans votre communauté. Je veux prendre le bayt avec vous. » Donc là, on voit des choses qui sont vraiment extraordinaires. Il n'a même pas demandé « Est-ce que vous êtes Mirza Ghulam Ahmad ?»« Qui êtes-vous ? Votre nom ?» rien. Et il a seulement demandé « Est-ce que vous êtes cette personne ?» Et à l'époque, lorsque les compagnons de Hazrat Masih Maud al-Islam s'asseyaient ensemble autour, on ne peut pas distinguer qui est le Messie. Donc lui, il est parti directement vers le Messie promis et il a demandé. C'est ça qui est très important à noter dans cette anecdote. Et il y a deux points que j'ai remarqué. Première chose que le saint prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pointé sur le Messie promis la somme de Hazrat Masih. La personne a quitté chez lui, venu Qadian, allé jusqu'à la mosquée Aqsa, voir Hazrat Masih. Qui a lui guidé cette adresse? Que Messie, il est où? Dans quel village? Donc Allah a donné cette sagesse, Allah a lui guidé dans une façon qu'il s'est dirigé lui-même, ou bien Allah a lui amené directement chez Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. Et deuxième point, c'est que j'ai remarqué que c'est comme Allah Ta'ala est en train de guider Hazrat Munshi Saheb aussi. Sinon, si la personne connaît où est mosquée, qui est Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, il n'avait pas besoin de se mettre debout devant le bureau de poste et dire où est Mirza Saheb. C'est comme pour attirer l'intention de Hazrat Munshi Saheb. Donc Allah voulait guider Hazrat Munshi Saheb passer par cette personne. Donc c'est comme c'est un moyen pour Hazrat Munshi Saheb et Allah a attiré en disant comme ça que où est Mirza Saheb, que c'est il avait beaucoup de personnes là-bas. Quelqu'un n'a pas répondu. Seulement Hazrat Munshi Saheb a répondu. C'est comme que Allah veut lui guider aussi passer par cette personne. Effectivement, quand Allah Ta'ala envoie quelqu'un pour guider les gens. Tel un prophète ou les awliya ou la, etc. Donc Allah Ta'ala a toujours, c'est le sunnatullah qu'il crée cette atmosphère spirituelle autour de lui, autour de cette personne, ce prophète ou ce calife, le khalifa de ce prophète. Donc l'atmosphère spirituelle commence à naître et commence à développer. Donc ainsi on voit de cet incident que exactement cet étranger est venu à Qadian. Donc l'atmosphère spirituelle était présente. Des gens qui n'ont même pas accepté Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam à cette époque, eux aussi ils bénéficiaient de cette présence d'un prophète de l'époque dans leur milieu. Et ainsi on voit que même les compagnons, même les gens qui étaient autour du Messie promis alayhi salam, que ce soit dans la mosquée ou que ce soit dans d'autres endroits, ils bénéficiaient de cette atmosphère spirituelle. Donc les prières qu'ils offraient, quand ils imploraient à Allah Ta'ala,
Donc Allah Ta'ala a accepté leur prière ici. Il y a un point très intéressant sur cette anecdote, comme vous avez bien mentionné, que après cet incident, Munshi Saheb avait tout, il a tout vu, mais il n'avait même pas encore accepté, même après cet incident-là aussi. Donc cette anecdote était donc si extraordinaire qu'elle a un très grand impact sur Munshi Nizamuddin Saheb. Donc ses pensées continuent à venir dans son cœur et gardant cela à l'esprit, il lui aussi a commencé à faire la prière du Tahajjud, même après cet incident-là aussi, et a demandé des conseils, des guidances avec Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala lui dévoile lui aussi la vérité, et quelle est la vérité. Donc c'est très important à noter aussi. Et Munshi Saheb dit qu'après quelques jours, après beaucoup de prières comme on a mentionné les Tahajjud, après quelques jours, il a vu un rêve où il a rencontré un bouzouk, un homme sage, avec un visage très brillant. Et le bouzouk, l'homme sage, lui a montré un livre et l'a dit que c'était des prophéties de l'époque de Messie promis. Il a expliqué les détails de ces prophéties et il dit que les moyens de transport pendant le temps du Messie promis à l'islam seraient très rapides. Ils survoleraient les montagnes, ils couvriraient les rivières et les gens seront très éloignés de la religion. Alors le lendemain aussi, Munshi Saheb, il a rencontré le même bouzouk dans son rêve, le même homme sage dans son rêve. Et là aussi, il lui a montré les mêmes livres, il lui a aussi montré les signes, les pages, il lui a montré l'endroit où les prophéties ont commencé. Le bouzouk, l'homme sage, a également dit que ce livre en question où il y a les prophéties était sur la table de mon messie. Donc après ce rêve, Munshi Saheb s'est donc rendu chez Mirza Saheb pour tester l'authenticité de son rêve. Quand il est parti là-bas, il a vu le même livre et selon son rêve, il a ouvert le livre, il a vu les pages où les prophéties ont été écrites, comme dans son rêve. Ainsi, Allah l'a guidé très facilement et lui a donné l'occasion de faire le serment d'allégeance, de prendre le bayat. C'est donc le moyen pour que Allah guide ces gens-là. Ce qui ressort de cela, c'est que si quelqu'un avec une bonne intention fait des efforts pour trouver la vérité pour quelque chose, il prie pour cela. Comme on a mentionné, il fait des tahajjud, avant on a vu les personnes faire des namaz, etc. Et Allah est toujours prêt à lui répondre. Quelque chose qui est vraiment extraordinaire dedans, que, comme dans cet épisode on est en train de mentionner, que dans la présence d'un prophète, d'un messager d'Allah, Allah Ta'ala guide toujours ceux qui sont autour de lui. Et là, c'est un autre exemple très clair que Hazrat Munshi Saheb était présent définitivement. La condition est que cette personne est bonne de nature. Que lui aussi, il fait des efforts à faire des bonnes actions. Il fait des efforts pour implorer Dieu de maintenir une relation avec Allah Ta'ala. Donc, tout en cherchant la vérité, le guide d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala définitivement va accepter leur prière et les guider. Donc ici, tout en restant dans la compagnie du Messie promis, alayhi salam, et il a bénéficié de cela. Et par la suite, comment Allah Ta'ala lui a guidé à travers ses rêves, comme il a vu le Messie promis, alayhi salam, et ses incidents. Donc, à travers ses rêves, on constate que personne ne peut inventer ou bien mentir à propos des arguments, à propos de la vie de quelqu'un, à propos des revendications du messager. Donc, quand Allah Ta'ala est en train de guider quelqu'un directement, donc à ce moment, il n'y a aucun doute à propos de la véracité de ce messager. Comme j'ai mentionné au commencement aussi, comme Munshi Nizamuddin Saheb a vu le voyageur en question, il a vu comment il a pleuré devant le Messie promis alayhi salam pour dire voilà, donc j'ai vu dans un rêve. Munshi Saheb aussi veut avoir cette manifestation. Il veut qu'il demande à Allah Ta'ala de lui manifester des rêves comme le voyageur lui aussi. Donc lui aussi, Allah Ta'ala l'a guidé aussi, l'a montré dans le rêve aussi. Oui, et selon les histoires, ou bien jusque aujourd'hui, les histoires qu'on a racontées, c'est les gens qui étaient des mêmes endroits, ou bien même pays, ou bien autour de là où ils ont entendu. Je rappelle une histoire de quelqu'un qui était en Afrique. Quand on entend le nom Afrique, on sait que
Il y a manque de moyens de transport, manque de tous les moyens, disons. C'est loin aussi, c'est pas tout près. Loin c'est des aussi, kilomètres. Si vous allez calculer depuis Kadian, c'est tellement loin. Et cette histoire, c'est de 1900. Donc, quelqu'un est en Afrique, il s'appelle Hazrat Umar Din Sahib, radiallahu ta'ala anhu. Il est fils de Ahmad Jar Sahib. Donc, il dit que j'étais en Afrique, j'ai vu certaines personnes qui s'appelaient Ahmadiyya. Donc, j'ai voyé leur comportement, j'ai voyé que vraiment, ils sont les gens saints, c'est véridique. Et ils sont pieux, ils font des bonnes prières, et leur comportement aussi, et ils font des récitations du Saint-Coran. Donc, ça lui a attiré un peu que ce groupe de personnes, c'est son kiff. Pourquoi ils sont différents? Le comportement est complètement différent. Comportement est complètement différent. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, ils ne peuvent pas être, les gens ne peuvent pas être menteurs ou bien ils n'ont pas suivi un menteur. Mais quand j'écoute les moulas, les imams qui sont opposants à l'Ahmadiyyat, donc je me suis troublé, ça me trompe, je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc, un jour j'ai pris une décision, j'ai laissé tout à Allah. Et j'ai commencé par implorer, j'ai commencé par pleurer, j'ai commencé les tahajjoud sur ça. Que, oh mon Allah, il faut me quitter. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Donc, si cette personne est véridique, il faut que je vais aller lui voir. C'est la prière qu'il a entendue. Et il faut me donner la chance et les moyens que je peux aller lui voir. Et si Naouzbila, il est menteur, donc il a dit que il y a malédiction de ton prophète, t'es bien aimé, tout. Donc quand même, il a parlé beaucoup de choses. Donc il est en train de faire prière maintenant. Et vous voyez, comme ces prières sont sorties au fond du cœur, il était quelqu'un qui avait vraiment un bon niveau dans la spiritualité, Allah a exaucé ses prières. Et dans une rêve, il a vu Hazrat Masih Maud. Et comme il a vu Hazrat Masih Maud, il s'est préparé en même temps pour aller voir Hazrat Masih Maud à Kadia. Donc à cette époque, vous parlez des années 1900. 1900. Donc à cette époque, il n'y avait pas les facilités, les moyens oui. de communication. Donc, même la chance de voir les photos et de voir ces personnes n'existait pas. Oui, même vous voyez, c'est 1900, alors que j'ai la chance de travailler en Afrique. Je suis allé en 2001 au Bénin. Et même pour communiquer, il n'y avait pas les facilités d'Internet. 100 ans après. Oui. Donc, Allah m'a donné la chance de travailler plus que 13 ans là-bas. Mais après 100 ans aussi, c'était difficile à communiquer. Mais c'est avant 100 ans, à l'époque de 1900. Mais comme il était véridique, il cherchait la véracité, il était quelqu'un qui était pieux, il priait bien, Allah doit lui guider. Parce qu'Allah a promis que je vais guider celui qui cherche. Donc quand même, il a préparé son voyage, il a commencé. Maintenant, il a commencé son voyage, mais il est toujours douté sur ça aussi. Que comme il écoute les gens. Donc, il fait une promesse avec Allah que quand il est arrivé à Kadian, il était assis dans la mosquée Aqsa. Il attendait Hazrat Masih. Donc, il a fait une promesse avec Allah que si la personne que vous m'avez montré, si c'est lui qui va sortir tout à l'heure, donc je vais accepter. Mais si ce n'est pas cette personne qui vous m'avez montré, je ne vais pas manger ici et je vais retourner en même temps. Et je ne vais pas prier même avec lui. Vous voyez son niveau de croyance. Donc, mais après quelques moments, quand Hazrat Masih Maud est entré, il a vu en même temps que c'est le même visage qu'Allah avait lui montré en Afrique, dans son rêve. Donc, il a en même temps, quand Hazrat Masih Maud est arrivé, il l'a vu et il a en même temps accepté, il a
pris bayat et il a passé quelques instants avec Hazrat Masih Maud alayhi salam et il a demandé à rentrer, à retourner. Donc Hazrat Masih Maud alayhi salam a lui conseillé que si vous ne pouvez pas me rendre visite, si vous ne pouvez pas venir ici souvent, il faut quand même garder contact avec les, en écrivant les lettres. Donc c'est comme ça toute sa vie. Il a gardé relation avec Hazrat Masih. Donc Monseb, peut-être des fois quand on est en train de mentionner les anecdotes, les incidents des personnes qui ont vu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani dans leur rêve, donc il y a toujours ces doutes que ces personnes-là sont en Inde ou en Asie. Donc peut-être qu'ils ont eu l'occasion de voir cette personne, ensuite de voir Mirza Saheb dans un rêve. Donc, il y a toujours ce type de doute qui s'installe. Mais dans cet incident, il n'y a définitivement pas la possibilité que cette personne, Hazrat Umar Din Saheb, qu'il aurait vu la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhisalam avant ce rêve. Donc, en priant, il a vu quelqu'un qui va être le Messie promis alayhisalam. Donc, il ne le connaît pas personnellement, il ne l'a jamais vu. Donc, surtout pas avec, à travers les photos ou les différents types de médias qui existent de nos jours. Donc, pour quelqu'un qui n'a aucune relation personnelle avec Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pour le rencontrer dans un rêve, ensuite entamer une telle voyage d'un pays d'Afrique pour voyager jusqu'en Inde, ensuite en Inde voyager jusqu'à Qadian, c'est définitivement quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, Afrique n'est pas quelques centaines de kilomètres. Ou bien, tout d'abord, là où il a voyagé, quels sont les moyens disponibles là-bas? Mais arrivé en Inde, à cette époque aussi, il n'y avait pas bon moyen de transport. Donc, arrivé à Qadian aussi, ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, les vents sont petits-petits, les maisons sont collées-collées, petits-petits maisons. Donc, pour retrouver quelque chose, et ce n'est pas facile. Et on ne peut pas dire que Qadian était montré par les médias, ou bien les photos étaient publiées. Donc, il connaissait le plan de Qadian, ou bien le voyage. Que, même aujourd'hui, si vous allez dire que quelqu'un est préparé pour aller en Afrique, donc il va commencer par réfléchir longtemps, qu'est-ce qu'il faut préparer. Mais plus que 120 ans avant, que quelqu'un a quitté seulement, et ça montre vraiment la véracité de cette personne aussi. Il y a aussi une prophétie, si on peut dire ainsi, la prophétie d'accomplissement de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Allah Ta'ala a dit que je propagerai ton message jusqu'aux quatre coins du monde. Et là, on peut voir depuis l'Afrique, le message de l'Ahmad est déjà parti depuis Qadian. Donc, quand on parle de l'année de 1900, donc à cette époque-là, le message de l'Ahmad est déjà parti très loin très de Qadian. Donc, c'est un accomplissement, une prophétie de la véracité de notre Messie, le Messie premier. Donc, effectivement, tout cela sont des anecdotes, des incidents qui sont basés d'abord sur le niveau moral, le niveau spirituel de ces personnes pour commencer. Ensuite, comment ils ont fait des efforts à prier. Donc, pour ceux qui croient ou qui ont cette idée que les prières n'ont pas d'effet, Hazrat Masih Maud alayhi salam a très joliment expliqué comment prier. Souvent des fois, les gens pensent que seulement en priant pour les cinq prières quotidiennes et l'abandonner après quelques jours et ne pas faire la salat de tahajjud et les prières nawafil, ça ne va pas avoir d'effet. Hazrat Masih Maud alayhi salam, c'est ce qu'il a dit, je vais le mentionner ici, je vais le dire. Hazrat Masih Maud alayhi salam dit que les prières sont comme des graines qu'un planteur sème dans le sol. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Donc, il a planté les graines sous le sol et il l'a recouvert. Et il ne peut pas imaginer comment cette graine va se transformer en un arbre fructueux. Donc, dès la semence jusqu'au fruit, il ne sait pas comment cela va se passer. Exactement, les gens à l'extérieur, ni le planteur lui-même, peuvent avoir ce que cette graine se transforme en plante et à l'intérieur du sol même. Donc, dans l'essence de la prière, il y a la possibilité de l'acceptation de Dieu. Mais en vérité, Hazrat Masih Maud alayhi salam dit que pendant quelques jours, les graines se transforment en plantes, à fleurs, jusqu'à ce que cette plante saute du sol et les autres
puisse également voir l'effet de cette graine, comment elle s'est en train de transformer en plante. Maintenant, voyez-vous comment les graines ont été semées à l'intérieur du sol. Il a commencé à se préparer à devenir une plante. Mais à cette époque, personne ne le sait. Et donc, Hazrat Masih alayhi salam nous explique à travers cela comment pour la prière, les gens, dès le commencement, s'ils n'ont pas confiance dans leur prière, s'ils n'ont pas confiance dans Allah Ta'ala, les graines qu'ils ont semées à travers ces prières ne vont pas avoir les fruits nécessaires. Et vous voyez, cet exemple, c'est tellement important que quand vous plantez graines, quelqu'un qui ne savent pas plantation, il va penser qu'ils ont jeté. Mais celui qui a planté, le planteur, il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas jeté ou bien les graines vont partir. Il sait ce qui est revenu de ses efforts. C'est comme ça, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam a dit, quand vous êtes en train de prier, des fois vous-même, des fois les autres peuvent penser que vous êtes en train de jeter votre prière. Gaspiller le temps, gaspiller les prières. Alors que ça a des récompenses, ça a des revenus. Et vous allez récolter des fois après. Et en donnant cet exemple, chaque plante ne donne pas immédiatement réponse. Oui. Exactement, tout comme en semant une graine, il y a beaucoup de procès et ça prend des temps stages aussi. Jusqu'à ce que cette plante va avoir des fruits. Et là, les gens vont en bénéficier. Donc, exactement comme cela, pour ceux qui se donnent à la prière, qui veulent vraiment reconnaître ou bien expérimenter l'existence d'Allah à travers les prières, cette condition est primordiale. C'est vital pour les prières qu'on doit toujours avoir de la patience et persévérer à travers nos efforts et nos prières aussi. À travers ces incidents, on a vu que ces gens, ces compagnons, on fait des efforts à reconnaître celui qui est venu de la part d'Allah. Donc, ils ont tout donné pour reconnaître le messager d'Allah. Et ensuite, ensemble avec cela, ils se sont donnés à la prière. Donc, Jazakumullah, Mawlana Saheb, Jazakumullah, Nourna Saheb, pour ces très jolis incidents que vous nous avez racontés. Inch'Allah, on va avoir l'occasion d'en parler encore plus. Peut-être à propos d'autres compagnons bénis du Messie promis, alayhi salam. Faute de temps, on doit se quitter. Donc, Jazakumullah. Et Jazakumullah à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission. Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode de ce programme, les prières exaucées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.